de la compétition, même s'il a, déçu parfois. Yerim Betov, 14e du concours général au jeu, était un petit peu passé à côté. 4e lors des précédents championnats du monde à Anaheim au concours général. Voyons si cette année il peut, pourquoi pas, aller chercher une médaille. Oui, pourtant un gymnaste très talentueux, très complet. Et malheureusement, souvent en situation d'échec. Là, on a pu s'apercevoir qu'au début de son mouvement, des petits écarts de jambes, des petites fautes. Allez, le passage sur une poignée. Alors, on le voit un peu en difficulté. Et la sortie à la TR. Ouh là là, c'est difficile. Et bien, ça commence mal pour Yerim Betov. Eh bien, voilà, voilà Yerim Betov qui a l'habitude un petit peu de rater ses grands rendez-vous. Eh bien, aujourd'hui, ça démarre de manière catastrophique, on peut le dire, quasiment. Ah oui, là, c'est une grosse chute, plus toutes les petites fautes dans son mouvement. Ça va être difficile pour le Kazakh. Alors, on voit la sortie, position à l'ATR. Et manque d'élévation, on voit la main qui glisse. Et forcément, c'est la chute. Là, on voit une mauvaise pose de main. Ça rend également, quand même, cette gymnastique un petit peu plus humaine.